Bonjour à tout le monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Je suis Hicham El Amouri et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode 23 que j'en ai à le présenter. Et même à partager en l'antenne avec mes deux comparses, Manu et Neubert. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le mois de février. Et Iso Brassel. Salut tout le monde, bienvenue dans le mois de l'amour. Si vous aimez ce que vous entendez ou ce que vous allez entendre, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. On n'a rien prep sur Instagram ou on n'a rien préparé sur Facebook. On est déjà en février. Ouais. C'est fou, le mois de l'amour, mon cul, ouais. Si c'était exclusif au mois de février, vraiment, la vie serait fort triste, je pense. Ouais. Bah ouais, clairement. Si ça s'enchaînait plusieurs mois, ce serait bien aussi. C'est quoi s'enchaîner plusieurs mois? L'amour. Rassure-moi, tu veux pas des décorations avec des cœurs et des cupidons et du rose et des flanelles dans tous les sens? Non, je pense qu'il parle vraiment de l'amour soi, tu vois, que l'amour ne soit pas un sentiment passager et évasif. L'amour romantique. Ouais. Tu es en manque d'amour romantique, Iso? Non, ça va. Pour l'instant, on est en décembre quand on enregistre. Du coup, j'ai des guirlandes à la place. Du coup, ça fait autre chose. Très bien. Je me noie dans les guirlandes, le chocolat et tout ce qui va avec. Pour éviter de penser au reste. Youpi tralala. Youpi tralala. Qu'est-ce que c'est? On n'a rien préparé. Changeons de sujet. Changeons très vite de sujet. Qu'est-ce que c'est? On n'a rien préparé. C'est une demi-heure environ d'improvisation avec trois scènes avec des contraintes rigolotes. Peut-être intelligente, mais peut-être débile, pour du fun avant tout, et des défis aussi. Oui. Oui, Manu, je vois que tu as l'intention d'appuyer sur... Voilà, ok, c'était hilarant. Screenshot. Eh bien, nous allons commencer avec la première improvisation du jour, avec Iso qui nous la propose. Pardon, Manu, voilà, je fais mon Iso. Alors, commencer le mois de l'amour The sur un tacle pareil, c'est... Aïe. Je suis mal aimé. Eh bien... Mal aimé, parce que je m'arrête pas de me gourer dans les présentations. Tu peux commencer? Oui, présente. Le silence était... Eh bien, on n'a rien préparé, on a compris que votre vie de tous les jours était assez passionnante que pour en faire le sujet de nos impros. Et c'est tout l'objet de cette catégorie, puisqu'il s'agit d'une commentatrice sportive. C'est compliqué de faire du langage inclusif. Commentaire sportif. Hicham et Iso vont commenter une action du quotidien. Dans ce cas-ci, ouvrir un pot de cornichons. Oh! Tels des commentatrices sportifs et sportives au pinacle de leur gloire et de leur excitation. On peut s'attendre à toutes les bonnes choses vu ce qui s'est passé avant l'enregistrement. Oh, oui. Femme en pot d'huile essentielle. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a déjà un historique d'ouverture de pot compliqué avant. De morsures de dents, de bave psychosomatique de ou non. Et de sueur. Et de racagnac. Voilà. Désolé, vous ne pouvez pas avoir la référence à tout ce qu'on vient de dire. C'est comme ça. La vie, parfois, c'est triste. Alors, on va commencer. Donc, on a rien préparé, le podcast de Private Joke. Ce serait un concept, non? En vrai, non. Ce serait un concept. Un truc où tu ne fais que des blagues dont les gens n'ont pas les référents. Bref, ça marcherait super ce n'est bien, pas je pense. Le sujet dont on a rien préparé. Ne vous inquiétez pas, normalement, vous aurez les rêves de ce qui va suivre. Attention, ça commence. Vous essayez d'ouvrir, enfin, vous commentez l'ouverture d'un pot de cornichons. C'est parti. Et une nouvelle tradition de petit déjeuner, un petit déjeuner, slave, avec des ingrédients dans la saumure, n'est-ce pas, Muriel? Mais bien sûr, Janice, admirez donc ces cornichons, et pas n'importe quel cornichon, n'est-ce pas? Les entiers, c'est terminé, les petits en rondelles, c'est fini, c'est anéanti, maintenant ce sont les grands trompés coupés en tranches dans la verticale. Exactement, figurez-vous que c'est ce que moi-même je mange, le petit déjeuner, enfin peut-être pas au petit déjeuner, je ne suis pas aussi aventureux
aventureux que notre... Pas aussi slave que notre aventurière. Ah, c'est sûr. Et là, voilà, qui sort le pot du frigo. Une technique intéressante parce qu'il y a certaines personnes qui disent que les mettre dans le frigo, c'est se créer déjà des problèmes à cause de la dépression créée par le froid, l'air froid à l'intérieur du pot. Mais nous connaissons notre aventurière, Laura Poisson, n'est-ce pas ? Laura Poisson, elle ne manque jamais l'opportunité de faire d'abord passer le goût avant tout, Janice. Le Exactement. Goût avant tout. Et la texture, et la texture. La texture. Et voilà maintenant qu'elle se saisit du pot et le premier problème se présente, la condensation. Le changement de température cause une condensation sur le couvercle. Ses doigts glissent. Ah, pas de la prise, gastronomie pas de prise. A encore eu raison de Laura Poisson. Et oui, c'est comme ça. Ah, mais je la vois qui sort une arme très chère. Ah, le racagnac. Le racagnac qui permettra à Laura Poisson de former ce petit trou d'air qui permet, comme nous le savons tous, d'ouvrir le... Mais enfin, mais c'est pas du tout ce qu'elle fait, regardez. Ah non, elle tape sur le pot. Elle tape dessus avec le racagnac. Ah, mais c'est un pot en plastique, il ne se brisera pas aussi facilement qu'un pot en verre. Je pense qu'elle est désespérée. Mais voilà qu'elle tourne le racagnac sur le verre. Mais qu'est-ce qui se passe enfin, Janice? Je ne sais pas, je pense que... Ah, elle a installé une pointe en diamant sur son racagnac, elle perce un trou. Mon Dieu, mais c'est OSC 117, c'est Mission Impossible, c'est la Mission Impossible des cornichons. Mais le trou est trop petit pour faire passer les tranches de cornichons, quel drame. Là, voilà qui se résout à couper le pot au ciseau. Ça veut dire qu'elle va devoir finir tout le pot maintenant, en une seule fois. Quel échec pour Laura. Ah là là, ces tragédies du quotidien, trop souvent oubliées. Mais on n'a rien préparé là pour les ramener les en avant. À la lumière. Grand Dieu, le racagnac. Tu veux le vraiment ma mort. C'est quoi? Rien. Le racagnac à pointe en diamant. Mais c'était exactement ça quoi, je pensais. C'est vrai ou pas? Oui. Vraiment? Mais pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si c'est le vrai nom, le nom consacré à ce genre de truc. Le racagnac, c'est l'instrument qui permet de visser et qui se désamorce dans un sens, qui permet de ne pas avoir à faire des tours complets, de pouvoir faire des retours dans un sens. Et exactement. J'en pose ces dents chez moi. Enfin, techniquement, c'est celui de mes parents, mais ils ne savent pas. Qui t'a dit que ça s'appelle racagnac? Qui t'a dit que ça s'appelle racagnac? C'est ton Mon père papa. Qui s'appelle. Moi aussi, je suis curieux de savoir si c'est le vrai nom de ça. C'est vrai que c'est le nom qu'on m'a toujours dit que ça s'appelait. Ah ouais? Mais j'ai jamais demandé, par exemple, chez Brico un racagnac. Je sais pas si tu vas chez Brico que tu demandes un racagnac. Qu'est-ce qu'ils te disent? Mais oui, bien sûr, voilà. C'est vrai que j'ai cette fâcheuse tendance à croire que Nemo existe alors qu'il n'existe pas. Genre les minous, tu vois? Les minous de poussière. Ah, les minous de poussière. Les peluches? Non, mais si, des minous, mais ça c'est des peluches. C'est un nom consacré, mais minou, ça se dit, hein, minou de poussière. Ah, moi, j'ai entendu ça. Ah, d'accord, tu les appelles peluches. D'accord. Non, mais la peluche, c'est différent. C'est une peluche de poussière, c'est ça. Parce qu'une peluche, c'est ce qui sort du vêtement. Mais c'est une peluche de poussière aussi. Ah ouais, ce qui se balade au sol, là? C'est le même pour vous. Il fait dire, eh oh, tu dois passer l'aspirateur. Ça, c'est une souris. Ça, c'est une souris qui se balade au sol. Ça se balade avec intention au sol, c'est une souris. Grand Dieu, oui, ça, je connais que trop. Je ne connais que trop Murphy et Gus Gus. Je vous salue, où que vous soyez. Paix à leur âme, sans doute. Hein. On se souvient depuis de l'été. Un an, plus de demi, 2 ans maintenant. Non, ils vivent tous les deux dans un pays très lointain où il y a plein de souris qui vivent heureuses. Rappelez-vous les épisodes de l'été 2020 et ce coup de cœur formidable. Et nous allons continuer cet épisode avec la deuxième improvisation qui nous est présentée par Ize. Ouais, c'est moi. Et je vais vous proposer une catégorie dictionnaire. Oh. Qu'est-ce que cela? Eh bien, je vais vous donner un mot qui est un petit peu saugrenu. Comme par exemple racagnac. Comme racagnac. Sauf qu'en théorie, vous ne connaissez pas leur signification. Si vous la connaissez, s'il vous plaît, fermez-la jusqu'à la fin de l'impro. Wow. Non, vous là, les auditoristes qui nous écoutez. Non, vous deux. Ah, pardon. Ne me dites pas ISO, voyons, c'est un mot si facile. Ça me vexerait beaucoup. Pardon. Et vous allez, ce sera l'inspiration de votre improvisation, tout simplement. Et à la fin, je pourrai ramener ma science en disant « Mais enfin, ça voulait dire ceci !» J'adore ramener ma science. C'est rarement moi qui ramène ma science, quelque part. C'est ça, putain. C'est bon, on peut reprendre. Juste pour siffler. Donc, la catégorie dictionnaire, pour vous, aujourd'hui, le mot sera « Cartahu ». Cartahu ? C-A-R-T-A-H-U. Cartahu. Ok, je ne risque pas de ramener ma science parce que je n'ai vraiment rien du tout. Merveilleux. Eh bien, c'est parti.
Tu peux m'en remettre une? Mais enfin, Roger! Allez, il est que 22h, on a encore le temps. Roger, si tu vomis, c'est toi qui ramasses, hein. Mais allez, je vais pas vomir, c'est ma deuxième bière seulement. Ta deuxième bière? Ma deuxième bière, mais oui. Ce n'est pas n'importe quelle bière. C'est une carte à hue. Roger. Laisse-moi me gérer. Ok, je te remets une carte à hue alors. Tu me remets une carte à hue. Bon, très bien. Enlève le scarabée qu'il y a dedans, s'il te plaît, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi j'aime pas. Tu veux une carte à hue sans scarabée? Bah oui. Tu me déçois un peu. Bon. Tu n'as pas à me coller des jugements comme ça. Non, mais écoute, ça chacun t'accompagne. Ses goûts, est-ce que je te juge parce que tu mets de la crème dans tes carbonara? Robert, on en a déjà parlé. Bah, c'est juste que ce n'est pas la vraie recette, mais je ne te juge pas. Comment ça, pas la vraie recette? C'est la recette de ma maman et elle est très bonne. Et moi, d'accord, j'aime bien les carbonara avec de la crème. Je viens de te dire que je te juge pas. Pourquoi je suis sur la défensive? Ah, ben ça, je... Est-ce que tout va bien avec William, Robert? Hein? Est-ce que t'as besoin d'un peu de... Mais arrête de retourner, je te dis, c'est toi qui es sur la défensive. On comprend pas que tu refuses ce scarabée, c'est vraiment le meilleur de la carte à rue. Hein. Laisse-moi tranquille. Bon alors quoi, avec William, ça se passe mal, c'est ça? Tu veux qu'on en parle? Mais je n'ai rien dit! Mais allez, je vois bien que tu es là tous les soirs depuis une semaine, ça ne te ressemblait plus. Hein. Avant, on ne t'avait plus vu depuis quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? Et tu descends les cartes à rue comme si c'était du petit lait? Dis-moi, Robert. Hein? Eh ben voilà. William, il travaille de nuit maintenant et je me sens un peu seul le soir. Parce qu'à chaque fois, le soir, je rentre du travail, on se voit une demi-heure et il part travailler. Oh, mais non. Bah si. Mais il a recommencé à travailler chez Hubert. Bah oui. Oh là là. Et Hubert, en plus, Hubert, il est pas très gentil avec lui. Il le fait travailler jusqu'à 5h du matin et ensuite il revient et il est fatigué. On se voit une demi-heure au petit déjeuner et lui, il va se coucher et moi, je vais au travail. Mais voilà, c'est... Je me sens un peu délaissé, voilà. Oh. Tu sais pas quoi? Comme s'il avait besoin, hein. Il aurait pu, il avait pas besoin de travailler, mais c'est Hubert, hein. Hubert, il l'a manipulé, je pense. Mais tu sais, je peux te confier un secret. Attends, je vais m'ouvrir aussi une carte à U. Je peux te confier un secret. Tu sais, William, il m'a dit qu'il voulait économiser pour que vous deux, vous passiez l'anneau au doigt, si tu vois ce que je veux dire. Je ne t'ai rien dit, hein. Je ne t'ai rien dit, on ne fait que boire une carte à rue à deux, hein. Allez. Je ne sais pas si j'avais vraiment envie de le savoir, mais non, c'était plus une surprise, mais bon, voilà, enfin, je sais pas. Mais du coup, je dis juste, sois patient, laisse-lui le temps. Peut-être que d'ici quelques semaines ou quelques mois, il aura économisé assez, et puis comme ça, vous pourrez avoir une belle fête. Tu sais, moi, passe-moi le scarabée de ta carte à vue. Ah, je préfère ça. Allez, santé, Robert. Ding. Ma. Carte à vue. Est-ce que ce mot n'est pas extrêmement chou? J'allais me dire, c'était une des cartes à jouer faites en peau de cheval. J'allais vraiment. Tu l'as sorti en premier, je vais dire, ok, d'accord. Ah, trop marrant. Carte à vue. Qu'est-ce que c'est que ça alors? Alors, bah vous l'avez mais dit. Mais Ise, qu'est-ce qu'une carte à U? Mais allez, éclaire-nous de ta science. C'est un nom masculin, peut-être provenant du néerlandais. Bref, c'est une manœuvre destinée à hisser des objets à bord d'un navire. Wow, la okay. Manœuvre pour hisser des objets. Je n'aurais jamais pu le deviner. On fait un carte à U, c'est masculin, un non? Un carte à U. Wow. Okay. Et est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste cette manœuvre? Bah, hisser des objets. Mais comment? Ah, genre avec une poulie, des poulies, des trucs comme ça. Ah, comme ça. D'ailleurs, certains appellent même l'objet pour hisser carte à hue. Ah oui. Eh bien, nous vous donnerons un lien vers l'article Wikipédia pour le carte à hue, toutes ses significations. Larousse.fr. Formidable. Comment t'as trouvé ce mot? Je ne sais plus. Le mystère reste entier. Voilà. Et c'est ça aussi. Plus d'informations. La beauté d'on a rien préparé. La beauté de. J'avoue que c'était hier soir et. J'étais bourré. Bah, j'avais un peu la vodka aux pommes, mais du coup. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Je voulais chercher. Je sais plus comment je m'appelle, mais le carte à eu, je m'en rappellerai. Ah, ça. C'est vrai que souvent, je me souviens de détails vraiment nuls dans les choses. Ouais.
J'ai tendance à retenir des détails qui n'ont pas beaucoup d'importance. Genre, Saccharomyces cerevisia. Ah oui, mais celle-là, on l'a... Bah, tu l'as pas retenu tout de suite, hein, parce que je me rappelle que pendant l'improvisation elle-même, ça n'était pas rentré. Ah oui, c'était non, drôle. Mais sur le temps, dans la durée, je pense. Il y a le traumatisme de ne pas l'avoir retenu pendant l'improvisation. Il y a l'expérience émotionnelle qui va avec. C'est ça. Et les gens qui nous écoutent régulièrement maintenant, ils le connaissent. Saccharomyces cerevisia. On amène la science au peuple. Ouais. Mais c'est les rotifères ptéloïdes. Pas mal. Eh bien, nous allons finir avec... Pardon. Lindy Hop. Non, le... Quoi? Le Lindy Hop, la danse. Hopping, le Canin Hop. Canin, oui, tu l'as bien retenu, on voit. Ça a bien marché. Eh bien, nous allons finir avec la troisième improvisation de l'épisode. Une improvisation personnage secondaire que je vous propose. Ah, Hicham l'a préparé de longue date. Ouais, j'ai hâte de voir. J'ai été ultra préparé. Je pense que c'est borderline du troll. Ouh là là là. C'est quasiment du troll. Cette qu'on va jouer... personnage secondaire. Est-ce qu'on va jouer Thomas Chapeau et Léa Brassel? Non. Tu fais Léa, je fais Thomas. Donc nous, le personnage secondaire, c'est-à-dire que je choisis deux personnages secondaires d'un univers fictif quelconque et qui ne sont pas vraiment pas les personnages principaux. Et Ise et Manu vont devoir les jouer et jouer leurs aventures dans une aventure parallèle qui se passe avant, pendant, après, je sais pas. C'est en tout cas qui se passe, quelque chose qui leur arrive. Et très les personnages que je vous ai choisis... viennent de Matrix. Ah okay, ça va. Ouais, ça va, elle connaît. J'ai vu que le premier, j'espère que ça va. Oui, c'est enfin, j'ai vu le deuxième, mais j'ai beaucoup dormi. Il s'agit des agents Brown et Jones, qui sont les deux autres agents qui sont pas l'agent Smith. Ah. Il y a les deux autres agents qui ont autant de personnalité qu'un costard brun. Et dialogue, j'ai envie de dire. Donc vous débrouillez avec ça. Ah, moi, je pensais que c'était tous des agents Smith et qu'ils s'appelaient tous agents Smith. Non, pas du tout. Ils ont non. Après Brown, Smith, c'est les doubles. Brown et Jones, vous vous battez. Je pense pas que ça servira à grand chose que je vous les décrive. Ils sont en costard, ils ont des lunettes noires, ils ont leur petit machin, dans l'oreille. Ils ont la personnalité d'une carpette et des gros flingues. Très bien. Voilà. J'espère que vous allez bien vous amuser avec ça. Moi en tout cas, j'ai toute foi dans cette chose. Et c'est parti maintenant. On ne peut pas toujours. Ah non, sûrement pas. C'est de littéralement. On ne peut pas toujours gagner. C'est parti. Jones, un peu de tenue, s'il vous plaît. Excusez-moi, Brown. Je pense que j'ai un glitch. Oui, j'ai une espèce de rictus. Depuis ce matin, je n'arrive pas à l'enlever. Vous voulez dire que vous ressentiriez quelque chose? Non, c'est purement esthétique. Vous ressentez quelque chose? Non, je vous promets que c'est purement en surface. Oh, mon Dieu, je suis moi-même en colère contre vous, nous ressentons tous les deux quelque chose. Oh mon Dieu, j'ai commencé quelque chose de terrible. C'est un vortex, même. Attendez, nous devons en sortir. Je suis angoissée. Nous devons en sortir. Vous êtes présent, je suis présent, nous sommes présents. Cette pièce est majoritairement blanche et voilà, c'est bien. Nous établissons des faits, nous revenons à la normale. Mais regardez, je vais vous montrer ce rictus alors. Je crois que c'est ce que les humains appellent un sourire. C'est plus qu'un sourire. Mais qu'est-ce qui est quoi? C'est un... Vous comprenez que je perds toute crédibilité si... Si l'agent Smith me voit... Oh mon Dieu, j'ai peur. Oh non, j'ai peur. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Peut-être que Smith nous a piégés depuis le début. Est-ce que nous sommes nous-mêmes pièges de cette matrix que nous tentons de contrôler? Non, c'est pas grave, je vais simplement me... Mon programme, est-il seulement un programme? Jones? Bonjour, Brown. Comment allez-vous? Vous avez l'air d'être de retour? Bien oui. Dans ce cas, je vais faire pareil. Très bien. Jones. Brown. Ok. J'ai su
sur un moment de l'action. Oui. Ils ont fait suicidons-nous, okay. C'est de l'action, c'est une action. J'avoue, j'ai rien compris à ce que t'as dit. C'est pas grave. Oui, moi j'ai entendu. J'ai entendu faire de l'action, de l'action. J'ai entendu, oui, mais en même temps. J'ai essayé de suggérer. Deux programmes informatiques, voilà, deux firewalls qui discutent entre eux. Comment est-ce que. Moi, je sais pas, moi. Je me suis dit, oh, c'est super intelligent, il y en a un qui a un glitch, ils vont essayer de le débugger, je sais pas. Oui. Ils vont essayer de. Mais oui, mais c'est vrai qu'on parvenait à revenir à. Oui, c'est vrai qu'en fait, la crise se résorbait d'elle-même. Oh, j'aurais bien voulu faire un moment. On aurait dû continuer. Il y a eu fan art, un truc, tu vois. Et en fait, finalement, ils s'embrassent tous les deux. Et en fait, oh mon Dieu, oui, mais Bronny Jones depuis le début, en fait. Voilà. Bon. On aurait créé une nouvelle. Voilà, j'ai envie de recommencer cette impro. Et ça fait longtemps que vous n'avez plus vu Matrix, j'imagine. C'est vrai. On a fait un an, je pense. Oh putain, moi, ça fait genre 10 ans. Eh ben, ah ouais. Je crois que je l'ai beaucoup vu, donc. Tu le retapes souvent. Les quatre, souvent, je me les retape. Les trois. Les quatre. Il y en a un quatrième qui va revenir. Oui, mais tu peux pas te le taper pour l'instant. Il n'est pas sorti. Ça fait partie des trucs. Je crois que tu as un glitch. Non, j'ai pas un glitch. Faut la débugger. Les trois, pardon. Les trois, mais quand je sais qu'il y a un quatrième, je suis comme ça. Ah ouais. Il y a de grandes chances que ce soit de la merde, hein. Vaut mieux partir du principe que ça va être de la merde. Non, j'ai vu le trailer, ça a l'air pas si mal que ça. Moi je suis extrêmement méfiant des remakes. Mais c'est les sœurs Wachowski. Oui, c'est les sœurs Wachowski, ce qui me fait que je suis beaucoup plus rassuré que beaucoup d'autres trucs. Mais soyons méfiants, rappelons-nous du Hobbit, rappelons-nous de tant de choses. Ouais, moi de manière générale, Matrix, j'ai pas aimé le 3, désolé. Donc du coup, je me dis, ça peut pas être pire. Dans le sens où on revient vraiment dans la Matrix et tout. Et ça me plaît. Moi, j'ai vu le 2 au cinéma que j'ai pas aimé, du coup, j'ai pas vu le 3. Mais il y a des motos. Comment tu peux pas aimer les motos? Ça, c'est tout. Il y a des motos. Il y a des motos, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Du moins, un parable, disons. Je baisse pavillon. Eh bien, sur cette abdication de Manu, nous allons passer au coup de cœur de la semaine. Qui sont propos. Oui. En commençant par Ise qui avait. Oui. Ah, ok, d'accord. Je l'ai. La prise de cours. Je l'ai. Alors, mon coup de cœur, c'est pour un personnage secondaire, justement. Non, certainement plus. Certainement plus quoi? La gelée royale, il y en a trop là. Ah, il y a de la gelée royale sur tes biscuits de Noël. La gelée royale dans les biscuits souvent. De Noël. Souvent, non? Ah bon? C'est pas moi qui la prépare, la gelée. C'est toi qui les as faites, les biscuits? Alors, moi, j'ai fait les biscuits, mais pas la gelée. Mais t'as mis de la gelée. Qu'est-ce que c'est la gelée royale? Qu'est-ce qu'il y a sur les biscuits si tu les as fait? C'est pas un truc à mettre dans. Ah, pas du tout. C'est un truc que produisent les reines de colonies d'abeilles. Ah, qui est un truc ultra nourrissant et qui est un peu. Oui, c'est genre du super miel. J'ai confondu quoi. Alors. Mm-hmm. J'ai confondu, mais à culpa. D'accord. Quoi? Elle met de la gelée royale sur son truc. Ouais. Putain, les cookies chéros. Oui, parce que c'est très cher. Bref. Mon coup de cœur, c'est pour un personnage secondaire d'un dessin animé. Vous connaissez Bernard et Bianca? Oui. Eh ben, pour la mouette? Non, c'est pour la petite libellule. Ah, Evin Rude. À un moment, il est juste hyper fatigué d'avoir poussé la feuille sur laquelle il a poussé Bernard et Bianca. Il fait... Et ça me fait super rire. J'adore regarder ce moment où il est juste... J'en peux plus. Et en plus, il a un pull. C'est trop mignon. Ce qui me perplexifie, c'est que tu n'as pas de coup de cœur pour Bernard et Bianca. Donc ça, bof, pas assez bien, mais Evin Rude, par contre. Oui, exactement. Je regarde rarement Bernard et Bianca. Genre, je crois que je l'ai vu deux fois dans ma vie. Et à part la chanson SOS Société, nous sommes là pour vous aider, quels que soient vos problèmes, nous allons les régler. C'est ça qu'ils disent? C'est ça. Ok. Eh bien, regardez Evin Rude, le passage de 2 minutes sur YouTube, ça vaut le coup. Moi, je me rappelle, j'avais une cassette vidéo très bizarre où il y avait des extraits de plein de trucs Disney, mais aucun truc complet. Donc, je connais des passages de certains dessins animés que je connais très mal en dehors de ça. Mais genre, les temps d'Amatien, j'avais qu'un tout petit extrait très bref, mais je me rappelle plus de quoi. À l'époque, dans les cassettes qu'on achetait, il y avait bientôt. Des trailers avant ou après, oui, je sais ça, plus. C'est ça, il y avait des trailers et voilà. Ouais. Bah voilà, j'ai vu quelques fois Bernard et Bianca et ça m'a marqué. Evin Rude, il était notablement cool, c'est vrai. Il est le moustache. Il y avait aussi ce moment super flippant avec le crâne dans la grotte là. Ah oui. Manu, quel est ton coup de cœur cette semaine? Oui, je viens de réaliser qu'en fait, j'aurais dû commencer.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est pour Épisode, qui est une boutique vintage qui est située oui rue de la Violette 28 à Bruxelles. Bon, parce que récemment, je fais de plus en plus attention à ce que je consomme, à mon empreinte écologique, etc. Et donc, j'essaye d'acheter des vêtements en seconde main. Et en plus, j'essaye un petit peu de renouveler mon style vestimentaire et mon style tout court. Et Épisode, ça aide vachement. Donc, c'est une boutique vintage, donc de seconde main dans le centre, avec plein de super fringues à pas très cher, même si c'est un peu cher pour une boutique de seconde main. Et en plus, ils ont plein de fringues qui ont des styles très très différents de ce qu'on trouve dans les boutiques de fast fashion, ce qui est encore plus cool. Et en fait, en me renseignant pour faire ce coup de cœur, j'ai découvert qu'en fait, Épisode, c'est plus de 10 boutiques qui sont principalement en Hollande et à Amsterdam. Ils ont 3 ou 4 boutiques à Amsterdam, une boutique à Utrecht et tout. Donc apparemment, c'est hollandais à la base, ce que je ne savais pas. Et en plus, quand elles reçoivent des vêtements, elles les réparent si nécessaire. Mm-hmm. Donc en plus, il y a des trucs de repair et tout, c'est trop cool. Elles font vachement gaffe à leur empreinte écologique, et tatati et tatata. Et donc, c'est vachement chouette. La journée, ça n'a. Voilà, donc allez-y. Et au début, je me disais, oh non, mais la seconde main, c'est un peu craignos et tout. Et en fait, non, c'est plein de chouettes vêtements. Oui, il y a un moment, j'étais vraiment quelqu'un de très snob et de très horrible. Mais j'ai changé. Et donc voilà, si vous cherchez des vêtements un peu différents, à pas cher et avec une empreinte écologique qui est beaucoup moins dégueulasse puisque c'est de la récup, eh bien allez chez Épisode ou dans d'autres boutiques vintage. Si vous voulez avoir l'air de hipster branchouille, alors ça aussi, très clairement. Clairement, moi j'ai chopé des vêtements là-bas, quelques vêtements là-bas, je fais genre, oui. Waouh, hipster branchouille maintenant, power. Ah, c'est vrai. Ta veste hier, incroyable. Ah oui, elle venait trop, là-bas. Trop belle. C'est une veste très belle. Une veste un peu genre Valet 18e siècle, comme ça. Ça m'étonne pas. Une présentatrice de cirque, tu vois, mais, ah oui, mais élégante. Ouais, ou ménestre loyal. Ménestre loyal. Exactement. Très, très bien. Ça me va. Excellent. Eh bien, mon coup de cœur cette semaine, c'est pour quelque chose qui s'appelle Healthy Gamer GG. Tes souhaits. Oui, à mes souhaits. C'est, à la base, c'est un truc sur Twitch, donc un channel de streaming Twitch, mais qui est également présent sur YouTube. C'est quelque chose dont je voulais vous parler depuis pas mal de temps. C'est une ressource d'éducation à la santé mentale qui est dirigée vers les générations qui ont grandi avec Internet. C'est un projet qui a été fondé par Alok Konidja, un psychiatre américain d'origine indienne qui est spécialisé dans l'addiction, notamment aux jeux vidéo, et qui lui-même a un passé en fait d'addiction aux jeux vidéo, de galère dans les études, de trouver un sens à sa vie, des trucs comme ça. Et bref, il stream sur Twitch pour toucher une communauté de gens de tous bords, mais principalement, vu qu'ils sont sur Twitch, qui sont souvent assez isolés, des gens jeunes, pas mal de mecs, mais pas que, avec des problèmes de sociabilité, d'anxiété sociale, d'inadéquation à la société actuelle, des manques de perspectives dans la vie, des trucs, plein de choses comme ça. Il y a 3 types de contenus principaux dans ce qu'ils font. Il y a le contenu éducatif direct, où en pratique ce sont des cours sur des sujets qui ont un trait à la santé mentale, donc ça peut être la motivation, les mécanismes d'addiction, les relations parasociales, la méditation, les troubles de l'attention, les surdoués. Il y a également des questions et réponses. En gros, il y a un subreddit où des gens peuvent poser des questions et il répond à ces questions de manière très développée. Généralement, il revient sur des trucs. Et il y a également des entrevues qui sont sans doute le contenu le plus impressionnant dans le bazar, où en fait, il interviewe des personnalités d'Internet ou même des gens juste de la communauté autour de santé mentale ou de sujets qui tournent autour de ça. Et ce sont des entrevues qui durent 2 heures et généralement. Et ça peut ressembler à une séance de psy, mais c'est bien précisé qu'il ne donne pas de conseil médical et que c'est un des éléments de réflexion et d'éducation. C'est par là que j'ai découvert, où, en fait, il fait une interview avec ContraPoints, qui est super forte. Et en fait, c'est des trucs de malade parce qu'il y a plein de profils différents. Il y a pas mal de gens assez connus, des streamers très connus, mais à chaque fois, il y a des sujets vraiment qui peuvent résonner, je pense, avec la plupart des gens qui passent. Et ça m'a beaucoup appris et apporté de la compréhension sur des sujets comme les mécanismes de la motivation, les mécanismes neuropsychologiques, parce que c'est d'un côté un psychiatre, mais aussi donc un médecin. Donc il y a des streams sur Twitch, mais quasiment tout est uploadé sur YouTube, parfois en segments plus courts, qui sont réarrangés pour qu'il y ait des sujets spécifiques. Et je vous invite vraiment beaucoup à aller jeter un coup d'œil. C'est quelque chose qui fait vraiment une grosse différence pour les gens. Ils ont une communauté super active où ils ont mis en place des trucs de coaching avec des gens qu'ils ont formé des gens pour
soutenir les membres de la communauté, c'est vraiment un truc de malade. C'est une véritable ressource de santé mentale et d'éducation à la santé mentale qui est à la base gratuite si vous regardez juste le contenu vidéo. Et ce n'est pas du luxe, ce genre de choses. Allez-y, HealthyGamerGG, donc GG, healthy comme en bonne santé, gamer comme personne qui joue, et GG comme good game sur YouTube et sur Twitch. Trop bien. Bisous. Trop bien. Ah, moi, je touche rien à Twitch. Genre, je... Mais ouais. Moi non plus. Pas ce que c'est. Non, mais ouais, moi aussi, je suis un peu passé à côté, quoi. De Twitch et. Moi, ça, moi même. Ah, je crois que c'est pas là ça m'intéresse pas de voir des gens jouer à des jeux vidéo, ça me barbe, moi. Oui, mais même au-delà de ça, parce que par exemple, il y a toute une communauté de jeux de rôle, par exemple, qui est de plus en plus active. Super active, ouais, il y a plein de trucs comme ça. Hein. Ils organisent des cyber-conventions maintenant, donc ils sont des conventions en ligne où les gens peuvent aller et tout. D'ailleurs, j'ai déjà animé une table ronde à une cyber-convention, mais vraiment juste, je me suis connecté, j'ai discuté avec les invités, il y avait quelqu'un qui checkait dans le chat, qui posait des questions, et puis après, je me suis déconnecté. Chers auditeurs, si vous, par contre, vous êtes hyper hypé par Twitch, expliquez-nous, racontez, n'hésitez pas à partager, c'est quoi... expliquez-nous à nous, vieux millennials, vieilles millennials que nous sommes, c'est quoi l'utilité de Twitch? Il y en a une, notamment avec la pandémie, je pense que... Oui, non, évidemment. Je pense que le sentiment de communauté, il y a beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui au-delà de ça, ont un rapport à la sociabilité qui est très différent. Des gens beaucoup plus introvertis pour qui des interactions en vie réelle et sont beaucoup plus difficiles à gérer. Alors que, et bon, il y a aussi beaucoup de relations parasociales. Non, bien sûr. Bref, c'était les coups de cœur du jour avec mon coup de cœur qui a sur lequel on a disserté. Désolé, c'était un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et nous allons passer au segment Utip. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai un truc très simple à vous dire. C'est-à-dire que vous êtes là chez vous, vous venez d'écouter ce que vous avez écouté, vous dites oh, c'était chouette. Mais comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour les aider? Ben, j'ai la solution pour vous. Alors déjà, parlez-en autour de vous. Hein? Propagez cette bonne parole. On n'a rien préparé. Faites-le écouter à votre tonton, votre tati, vos nièces, vos neveux. À mémé. Ou bien à vos tétés. Cette personne sur Twitch que vous suivez et que vous aimez beaucoup. Proposez-lui, on n'a rien préparé, on ne sait jamais. Et puis, si vous avez trouvé que c'était vraiment nul, balancez-le sur les fils des gens que vous détestez. Retweetez, même si on n'est pas sur Twitter. Et comme ça, il y aura des gens qui viendront nous écouter. Et puis, si vous avez envie de faire un petit geste financier, eh ben, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller sur utip.io et là, vous nous cherchez, vous nous trouvez et vous pouvez nous donner ce que vous voulez. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, 7 euros, ponctuellement ou récurremment. Et comme ça, eh ben, nous, ça nous permet de gagner un peu plus d'argent et du coup, de nous rembourser le matériel qu'on a payé, de défrayer les invités, de faire des trucs. Et voilà, et comme ça on est content, vous êtes content qu'on est content, on est content parce que vous êtes content, parce que vous nous faites voir que vous êtes content. Et en plus, maintenant sur Utip, il y a même une boutique où vous pouvez acheter des tasses, on n'a rien préparé, des t-shirts, on n'a rien préparé, quand on en aura. Des stickers, on n'a rien préparé. Il y en a depuis, quoi depuis fin novembre, on peut le faire. Bien sûr. Mais oui. On peut le faire ou il y a des... Y a, c'est, tu peux aller l'acheter là maintenant, comme ça Hicham. Putain, j'étais pas au courant. Voilà, alors aujourd'hui, on a rendu Hicham une meilleure personne, puisque maintenant elle sait qu'elle peut le faire. Vous aussi. Alors, faites-le ou ne le faites pas. Donnez nous, on continuera à faire ce qu'on fait gratuitement, parce qu'on kiffe ça. Bisous. Bisous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des t-shirts, j'étais pas au courant. À quoi ils ressemblent? Oui. Non, ils sont trop beaux. Non, la tasse est vraiment cool. Et d'ailleurs, pour être honnête, j'hésite très fort à acheter des tasses pour nous. Je crois que je vais m'acheter une tasse, moi, pour nous. Ouais, j'ai déjà 1000 tasses à la maison, c'est juste... Bah oui, non, mais c'est ça, mais... C'est vrai que j'ai pas beaucoup de... Mais les tasses sont cool. Et les stickers sont cool. Et les t-shirts sont sympas. Bien. Bah après, je suis intrigué. Si, c'est notre logo, quoi. Concluons ce podcast. Notre logo est cool. Concluons, bien. Oui, pardon. C'est la fin de cet épisode 23 de... Oui, yes. Je suis ultra structuré. De cet épisode 23 de On n'a rien préparé. Le premier épisode de février, mais pas le dernier. Et la semaine prochaine, nous avons un nouvel invité. Yes. Un nouvel invité qui va être très chouette. J'en suis convaincu. Vous en êtes convaincu, nous le savons. Oui. Je vous dis à la semaine prochaine. Mais oui. Est-ce que toi spécifiquement, toi, mais que toi, est-ce que tu veux te dire un mot? Que moi, oui, je vais dire le mot
rotifère téloïde. Ok, ça fait deux mots, mais je te pardonne. Merci. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.